Salut les amis, bienvenue de retour sur la taverne des geeks pour la suite et la fin de notre aventure sur Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Encore un vieux chewing-gum tout pourri depuis le début. Le vieux chiffon sale qu'on a également au début, on l'a toujours. Je sais pas s'il va nous servir. Donc il faut qu'on retourne dans la salle de la lave et dans la salle des machines. Ah oui, mais attendez. Non. Attends, redescends toi. Redescends. Ça va pas. Que si je me trompe pas, dans l'inventaire, il nous manque quelque chose. Oui, la salle de la live, il nous manquait une pièce. Enfin, de la machine plutôt. Ça, c'est un truc qu'il faut faire gaffe, hein, parce que quand tu fais le jeu et que d'un seul coup tu te rends compte que j'ai oublié un truc dans la pièce principale, c'est trop tard. Hein. Parce que du coup, là, c'est débile parce qu'il nous. Il va falloir qu'on. Oui, bah ça, on a compris que c'est une chaîne qui est attachée. Il faut pas te demeurer pour le comprendre, ça. Bon, juste cette roue là, voilà. Allez, on y retourne à l'aventure compagnon. Nous allons marcher vers l'horizon. Ce donjon, il est pourri. Et faut surtout pas que j'oublie de récupérer la pièce, je me tire une balle. Voilà, vous voyez, c'est des passages qu'on pourrait couper au montage, mais ça serait après, ça serait plus marrant, parce que ça serait trop régulier. Il n'y aurait pas de trucs rigolos, quoi, voilà. Même si c'est vrai que c'est pas très rigolo d'oublier des trucs, enfin ça dépend. Bon. Il faut qu'on aille dans la salle de la lave. Bonjour monsieur. Moi non plus, j'aime pas les troubles faits et encore moins les troubles pètes. Mais si, j'ai l'espoir, j'ai déjà terminé le jeu avant. Okay.
La salle de la lave est ici, donc on va déjà rechercher la lave. Et ensuite on revient à la salle de la machine rechercher de l'oricalque ou richalque, hein, ou bref, comme on veut. Hein. Du coup on va remettre notre petit seau ici sur le piédestal. Enfin, et du coup on remet la tête de truc en pierre, la tête de la statue ici. Du coup, on remonte là-haut. J'aurais dû faire un réservoir avec un tracé qui monte jusque là-haut. Une pompe ou une machine du genre, quoi. Ça, la machine est ici. Ils auraient pu faire un point and click genre MacGyver. C'est bizarre, ça n'a pas été pensé avant. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça, mais après, il faudra qu'on la retire. Hein. Heureusement qu'on n'a plus besoin de revenir après. Enfin, il me semble. Du coup, on va récupérer les perles. Déjà, hein, c'est déjà un bon point. Hein. Ils se sont vraiment cassé la tête pour nous faire obliger de retourner chercher le truc, ça avait l'enjeu. Je pense que le prochain point and click qu'on fera, ça sera... j'avais prévu de le faire, mais on va revenir dessus du coup. Full Throttle, je pense que ça va être le prochain, peut-être demain dans la journée du coup. Bon, forcément, là, il n'y aura peut-être pas directement toutes les vidéos, vu que ça sera live, je pense. Vous avez vu, j'ai pensé à la roue, là. Et donc, du coup, comme je dis, ça sera un live. Alors, vers quelle heure de la journée, je sais pas encore. Ou alors, je le ferai la semaine prochaine, je sais pas. Parce que demain, demain soir, on a prévu peut-être de faire un live sur Indiana Jones, oh purée. Faut jamais me coucher, moi. Sur GTA 5. Non, merde. Je vais te coincer moi si je passe par là. Ah, le truc de malade. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire le bureau? Forcément, il faut qu'il vienne ici. Non, tu vas pas dans le donjon, tu vas ici. Ensuite, toi, tu vas dans le canal. Tu montes là-dessus, tu nous fais pas chier. Parce qu'une fois que la porte sera ouverte, il n'y aura plus grand chose à faire, il me semble. Il faudra aller rechercher Sophia. Et puis, faire je sais plus quoi.
Alors comptez pas sur moi tout de suite pour refaire une série de vidéos sur le si on avait choisi genre l'aventure en solo, hein. Enfin en équipe ou autre, hein. Non, non, pas tout de suite. Hein. Regardez s'il veut bien, parce que là c'est chaud. Voilà, alors maintenant il faut replacer la roue là, replacer ça ici, et on va prendre la petite perle et on va venir la mettre dans le petit trou. Voilà, putain, faut que je fasse ce que je dis. Boum. Est-ce que l'échelle va nous servir encore ou pas? Je pense que je vais prendre l'échelle quand même. Maintenant, il faut aller chercher Sophia. Parce que il faut savoir qu'il y a deux fins possibles au jeu. Dont une qui est la mauvaise fin, c'est celle où vous oubliez Sophia et vous continuez votre aventure tout seul. Vous pouvez, hein, mais c'est la mauvaise fin. Allez, Indy, on continue. Ça, ils auraient pu mettre un moteur plus puissant sur ce truc-là. Voilà, maintenant on va aller chercher Sophia et tout le monde est content. Ho ho. Du coup, on va les donner à Sophia. Non, elle va pas ouvrir Sophia. Elle a pas besoin d'une opération chirurgicale. Oh, tais-toi et mets la tige en métal, sérieux. Tu crois vraiment qu'on a le temps? Sérieux, réfléchis un petit peu. Ah, le prétexte.
Et puis, c'est long, c'est long, c'est long. En même temps, s'ils allaient plus vite, ça se trouve, ils viendraient pas, il faudrait qu'ils soient attachés. Ça ferait genre. Un jet ski. Que je peux lui parler pour lui dire quelque chose, genre je sais pas moi, c'était long. Chouette la conversation. Oui, ce monsieur Nurab Sal est ici. Il faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, monsieur Sal. Sophia, je me gonfle. Non, non, on va pas repartir en chaussures, si on peut laisser ici, puis on repart, on va en vacances. Hein. On va partir au sport d'hiver, et puis voilà. Hein. Aïe, elle a pété un câble. Sûrement, ouais. Si tu le dis.
Mais derrière, ma belle. Allez, maintenant, tu vas me dire. Quelque chose me dit qu'on a... Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. J'ai un doute là, j'ai un doute énorme. Ah si, c'était ça. Bon, d'accord. Y'a quoi ici? Y'a rien. Et là, y'a quoi? Rien non plus, donc c'est bien ce qui me semblait. Désolé, mais on va devoir aller quelque part, hein, Sophia. On va monter là-dessus. On va y penser. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque. Et en fait, j'aurais dû récupérer la charnière. Ouais, le problème. Heureusement que je dois pas aller plus loin, hein, parce que là, c'est pas la peine. Le jour où je découvrirai Atlantide, hein, faudrait que je pense à certaines choses. Hein. Ok, j'en reviens. Non, pas la fermer, putain, prendre. On passe à travers, hein, que Sophia c'est juste un hologramme. Un truc qui me fait marrer, c'est la façon dont sont faits les tunnels, on n'a pas du tout l'impression de tourner en rond en fait. Parce que c'est tout droit. Ils auraient pu faire ça à l'époque, une forme un peu arrondie quoi.
Il y a pas mal de crabes hein, dans le coin. Donc, du coup, monsieur pas propre a disparu. Monsieur sale, excusez-moi. Non, 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 tu restes là. Oui, il ne pourra pas le pousser tout seul. Ça, par contre, ça me saoule. Avec le truc qui bouge en même temps, c'est une horreur. On va s'en sortir, on va s'en sortir, il faut juste...
Faut qu'on retrouve le bon passage, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est la première porte. Mingo. On va essayer le truc de la dernière fois. Soleil torsi, c'était soleil levant. La pleine lune. Et là, c'est l'Orient. On va essayer de voir ça, ce que ça donne. Putain. Faut que je relise le bouquin. Oh mais... Soleil couchant.
nouvelle lune. Soleil du midi. Je comprends plus là. C'est drôle, toi. Ah, j'en ai voir. Je me souviens maintenant. Et là, tu peux y aller, là. Non! Je vais passer le curseur. Oh non, ça va pas planter. Alors, les amis, nous avons le bug du siècle. C'est pas vrai. Il a fallu que ça plante à ce moment-là. Je suis... Putain, mais sérieux. Je vais essayer un truc. Thank you.
Si je fais F5, charger. Charger la partie avec Sophia. Est-ce que... Bah, est-ce que tout le moins je vais... Bah, le curseur est revenu. Je me souviens où était caché le... Donc nous avons volcan à gauche, soleil du midi là, et ok d'accord, c'est bon. Ça j'ai même pas fait gaffe tout à l'heure. Soleil du midi en bas. Ok. Du coup ça retarderait un petit peu à la fin de la vidéo. Trou de mémoire à la con. J'ai obligé de retourner 2 secondes voir le truc. Forcément, en fait, si vous voulez, la vidéo n'a été faite en une seule après-midi, hein, forcément, parce que bon, ça met pas non plus des plombs pour faire une Galen Jones. Ouais, c'est bien ça, donc voilà. Okay. Ça y est en bas, voilà, le camp à gauche. Ah, c'est con. J'ai faim. Non, 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 on retourne pas là-bas, on retourne pas là-bas. On était gentil, on a passé une bonne après-midi, hein.
Mais, attends, mais... Pourquoi ça me fait ça avec la souris alors que j'ai jamais le problème là en dehors? C'est bizarre ce que ça me l'a fait aussi pour... Benjamin... Oh non, Benjamin, qu'est-ce que je dis? Un Gabriel Knight non plus. Deux gens, des cheveux de Baphomet. Ah vache, il faut vraiment que j'aille dormir. Hein. On a compris. C'est pas la peine de ressasser encore la même conversation, hein, tu l'as déjà dit juste avant. La fin approche. Barbecue le dimanche. C'est une dédicace pour Stéphane.
Alors, je précise que je me souviens plus de la fin, de ce qu'il faut dire. Donc c'est précis qu'à la fin de la vidéo, je meurs. Non, pour l'instant, c'est pas moi qui suis mort, c'est cool. Merde. Est-ce que je peux charger une partie tout de suite? On va charger celle-là. Parce que j'allais mourir, hein, donc... Si tu veux être Dieu, vas-y, sois Dieu. Et moi, je serai Dieu avec toi. Qu'est-ce qu'il faut que je dise déjà?
On va faire une sauvegarde de sécurité. C'est pas vrai, même ça, ça déconne. Comme vous voudrez. D'accord. Ok. Alors, on va vous montrer ce que ça va donner quand même, hein, ma mort. Voilà comment je suis mort. Hein. Du coup, on va recharger la partie. Une curiosité scientifique, hein. Je te dirais bien quelque chose. Comment ça se passe que normalement je dois lui faire peur, justement je veux dire que si je suis un dieu je le ferai souffrir, etc. Oui, non mais je vais pas me ressaisir, c'est bon. Sortons d'ici, allez. Si, on va sortir. On va essayer de faire encore une petite éloge. Oui, ça je le sais, tu me l'as déjà dit. Oublier les perles. Comment je dois faire? Ça y est. C'est plus que vous méritez, allumez la machine.
Mais c'est con quoi. Ah oui. Oh, je l'ai été vite pour mettre les 100. Hein. Et voilà les amis, la vidéo se termine sur ce passage. Donc l'aventure avec Indiana Jones and the Fate of Atlantis est terminée. On se retrouve prochainement pour un autre Pataclic. Et également à la suite de nos aventures sur les chevaliers de Baphomet. Épisode 2 également, que je commencerai très prochainement pour qu'on, voilà, qu'on fasse de nouvelles aventures. Et peut-être d'ailleurs en live d'ailleurs. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.